Téma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capira, Gianni Smile. Le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopzin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. Et moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, ta broche, armé, sa bosse, ça coupe par pain, de crosse et de crasse. Salut les gars, c'est Bandito, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une fucking gameplay, un truc de marge les gars. Ça y est, j'ai réussi enfin à faire ce putain de fucking défi avec enfin un sniper, c'est-à-dire déclencher une DNA bombe au sniper. Et en plus, vous allez voir, je vais faire une fucking série, mais un truc de marge, un truc de nidi les gars. Never stop the fucking wave. Voilà, la tonton, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je suis super en forme. J'ai un patate, un truc de ouf. Voilà, ça fait plaisir, tu vois. Putain, c'était, tu vois, le truc de pas arriver à faire une DNA au sniper. Et pour ceux qui ça fait longtemps que vous me suivez, vous avez pu constater sur Ghost que, ben voilà, j'avais fait un fail à 23 ou 24, je sais plus, ouais, à l'USR. Et pourtant sur Black Ops 2, voilà, j'avais fait 3 nucléaires OTSR. Et là je m'étais dit à Advanced Warfare, j'espère qu'il va pas me casser les couilles. Alors au début, pour parler un petit peu du gameplay, au début je vais faire 2 kills. Et après je vais mourir par un sniper d'ailleurs qui est, je crois que c'est là, voilà, il me semble que c'est là, ouais voilà. Je vais rater mon shoot 2 fois et lui, boum, il me chope. Et là, voilà, donc là il y avait 2-0. J'avais tué 2 kills et là je vais enchaîner 71 kills derrière, en comprenant bien sûr les score streaks d'assaut, enfin les séries d'assaut. J'avais mis drone, bombardier, petit drone, je sais plus comment on appelle ça, drone d'assaut, et Warbird. Et vous allez voir, je vais faire un sacré carnage et en plus obtenir une belle DNA à l'Atlas Sniper. Donc franchement les gars, aujourd'hui je suis là, Tonton il est là, parce que franchement je vous dis que je fasse, tu vois, pas beaucoup de gemmes sur une vidéo à la mitraillette et tout, je vais bien, mais là, s'il vous plaît les gars, faites-moi plaisir à Tonton. Et aujourd'hui les gars aussi, aujourd'hui, là je vous fais le commentaire, on n'est pas encore à 33 000, mais on y est presque, je pense que ce week-end on y sera. Donc en fait, c'est un petit peu ma vidéo, 33 000 abonnés, donc je tenais vraiment, vraiment à tous vous remercier, énormément du fond du cœur. Donc je me suis dit, ben voilà, un fucking gameplay pour les 33 000, la patate du sud les gars. Voilà, hier j'ai fait un live avec Ramsey Rules, un youtubeur du sud, et grosse dédicace à toi, merci pour m'avoir invité dans le live sur Twitch. Et j'ai goûté un petit peu au live et ça m'a plu. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai créé un compte Twitch. Je vais demander de l'aide un peu à mes confrères de la team, un petit peu à Ramsey, tout ça, je vais un petit peu demander. Parce que je compte peut-être prochainement vous faire des lives avec la OCB. Donc je pense que ce sera sur du Advanced Warfare ou peut-être du Ghost éventuellement, je sais pas, on verra sur PS4. Mais voilà, ça me paraissait un petit peu compliqué tout ça, mais là j'ai pris goût hier et c'est vrai que du live c'est pas mal, ça met un peu de la pression. Hier les abonnés sur Twitch ils me disaient, ouais Tonton fais-nous une DNA. Et ouais mais mon gars, les DNA il faut avoir le bon lobby, il faut avoir le bon accueil, Voilà, et quand tu joues à 9, forcément, les ratios s'additionnent et tu tombes sur des parties compliquées. D'où le fait que je joue sur mon compte solo pour voilà, éventuellement essayer d'avoir des accueils pas trop chargés. Et aujourd'hui, franchement, je suis fier de cette DNA, elle est magnifique. Vous allez voir, en plus, je vais un petit peu... Enfin, c'est pas du full rush à 100%, mais c'est... Voilà, c'est... Je vais changer un petit peu de spawn, un peu d'endroit, tu vois, enfin... Tout le temps, des fois j'achète des petites doubles et tout, franchement c'est pas mal. Je crois que je vais faire 2 kills à l'arme, je crois, mais bon, ça va largement compenser avec ce que je vais faire après la DNA. Donc voilà, c'est une superbe gameplay. Franchement, vous voulez me faire plaisir les gars, vous écoutez le commentaire et vous regardez une deuxième fois, peut-être même une troisième fois le gameplay, parce que ça paraît facile, tu vois, à vue d'œil, ça paraît énormément facile, mais je vous garantis que c'est hyper difficile, parce que le snipe, même si vous jouez contre des accueils qui sont pas très forts, vous l'avez vu tout à l'heure, tu rates un quickscope ou quoi, ou même un scope normal, tu te fais péter en 2-2. Et franchement, ça paraît facile.
Comme je dis, la petite série 25, on va pas tarder à arriver à la DNA. Mais c'est vraiment difficile. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que des DNA au sniper, c'est ce qui est le plus difficile sur Advanced Warfare. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'ai fait des DNA, j'ai quasiment fini presque tous les défis DNA, sauf encore ce fameux fucking Morse. DNA au Morse est hyper compliqué pour moi. Après, je suis pas vraiment, je sais pas, j'ai pas le niveau de Skyrose au niveau du Flashcope, des ce que tu veux, des Cucuscope, des trous du Cucuscope. Mais j'y arrive quand même pas mal. J'ai fait quand même pas mal de fails. Je pense que je vais la rentrer dans pas longtemps, la DNA au Morse. Et voilà, comme je vous disais, ben, les défis sont assez faciles pour les mitraillettes, on va dire, mais au niveau des snipers, c'est difficile. Par contre, ce qui est du NA-45 et du Lynx, je pense pas ne tenter la DNA à ces deux armes-là, parce que je trouve que sont complètement un peu nuls à chier, quoi. Le NA-45 qui tire des obus et tout, enfin, c'est sniper de niki complet. Donc franchement, voilà, ça sera, je pense que le prochain défi au sniper, ce sera le Morse, après j'en ferai plus. Bientôt les gars, oui, je vous ai préparé normalement un petit top pour la semaine prochaine, un top 10 What the fuck Advanced Warfare Black Ops 2 avec 3 ou 4 clips de tonton dedans. Vous allez péter un câble, vous allez rire, franchement ça va être puissant, la bonne humeur, des clips de Dicky, franchement c'est des trucs que je garde depuis un moment, tu vois, quand j'en avais beaucoup, j'en ai un petit peu pris à des abonnés. Et j'en ai piqué un sur internet, mais qui est carrément what the fuck. Il est incroyable ce truc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais le remettre en bonus, obligé. Voilà, donc c'est. Sinon, au niveau des défis, les gars, petite chose. Les fusils d'assaut, c'est fini. Enfin, quand j'ai pas encore tout mis sur ma chaîne, mais pour vous dire, les fusils d'assaut, c'est fini. Les mitraillettes, c'est fini. Le sniper, mais il me reste que le morse éventuellement à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'ai quelques plus de 100 kills encore à vous mettre bientôt. Il y aura prochainement du Black Ops 2 sur ma chaîne, je pense, du MW3 et pourquoi pas du Black Ops 1, parce que j'ai un abonné qui m'a demandé du Black Ops 1, mais effectivement c'est un jeu que j'y vais pas souvent sur Black Ops 1. Pourtant je l'ai bien aimé, mais c'est pas celui qui me donne envie d'y retourner, mais c'est vrai que c'est un bon jeu quand même. Mais donc je ferai plaisir à tous mes abonnés. Je tenais à remercier énormément une personne qui va... Attendez, je vais bouger pas deux petites secondes, je vais chercher son nom. Voilà, je tenais énormément à remercier Morel Grégory qui m'a envoyé un colis, les gars. Attention, the colis m'a envoyé. Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, c'est un abonné à moi qui est producteur de fromage dans sa région et qui m'a demandé en fait. De m'envoyer son adresse et il m'a envoyé des colis, donc c'est du fromage. Je vais ouvrir ça tout à l'heure ce soir et je suis vraiment satisfait, vraiment content, ça me fait plaisir. Et voilà, tu vois, il a payé quand même 11€ de Colissimo plus ses produits qu'il m'a donné, donc je tenais vraiment à te remercier, mec. Et je tenais aussi à remercier vraiment tous mes abonnés en ce moment qui sont vraiment actifs derrière moi, qui sont, je sais pas comment vous dire, ils sont vraiment vous êtes voilà, j'ai mis du Ghost la semaine dernière, enfin mercredi, j'ai mis du Ghost, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est pas trop aimé, le Ghost, petite DNA, les gars, elle est là, max de likes pour tonton, les gars, faites péter, putain, il faudrait qu'on se tape un peu les 1500 likes, ça fait longtemps, là, bonne DNA au sniper, qu'elle soit vue sur YouTube, ça la mérite, les gars, grosse série, 71 de série, les gars, avec DNA au snipe. Bref, voilà, je tenais vraiment à remercier tous mes abonnés en ce moment qui me soutiennent, et qui sont indulgents avec les gameplays. Voilà, j'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde, de mettre du vieux code, du récent, de l'actualité. Là, je vous dis, prépare un top 10 what the fuck. Je vais essayer un petit peu de vous divertir avec d'autres styles de vidéos. Parce que c'est vrai que bon, les DNA, on en bouffe. Mais après, moi, c'est comme je vous l'ai dit, j'essaie de finir mon défi, absolument de le finir. Certes, il y aura encore des DNA. Prochainement, DNA à la SN6, à la RX, à l'IMR, à l'HBA 3. Voilà, pas mal de DNA qui arrivent. Des plus de 100 kills aussi, des énormes plus de 100 kills avec des gros carnages. Mais vraiment, là, j'ai hâte de faire cette DNA en morse parce que celle-là, c'est vraiment celle qui me stresse et qui m'énerve. Tu vois, j'ai envie de la faire, quoi. Je suis pas un gros sniper, mais franchement, je veux pas te dire, mais pour l'âge que j'ai, tu vois, j'ai 34 ans et je trouve que quand même, pour pas. Comment dire, en n'étant pas un sniper professionnel au niveau, quand je dis professionnel, un sniper, on va dire, tu vois, du jeu, je trouve que ça arrive quand même à faire pas mal de défis, je vous fais des belles vidéos snipe. D'ailleurs, j'ai créé une playlist sniper sur ma chaîne, il y a marqué 100% sniper, où il y a du clair sur Black Ops 2, enfin, voilà, du MW2, il n'y a pas beaucoup d'MW3, c'est vrai.
Mais voilà, j'ai fait une playlist 100% sniper. Pour les petits curieux, ben, allez voir un petit peu ceux qui aiment le snipe. J'essaie d'acquérir un autre public parce qu'en fait, moi je sais que mon public est beaucoup mitraillette et fusil d'assaut. En gros, tu vois, quand je vois par exemple, je me fie un petit peu à Skyrose, je prends lui comme exemple parce qu'il a un énorme public sniper. Et je me dis pourquoi pas essayer de toucher un petit peu ce type de public. Après, c'est sûr, je suis pas un feeder, moi je suis un massacreur au snipe. C'est complètement deux choses différentes. En fait, je suis un sniper qui joue avec la manière de jouer avec un fusil d'assaut. Voilà. Mais c'est quand même, je trouve, pas mal par rapport à l'âge que j'ai. Je suis un vieux tonton, tu vois, et je trouve que quand même, je me démerde bien au sniper. Pour vous rentrer quand même un 73 pour 1, c'est quand même énorme. J'ai pas souvenir que Skyrose fait par exemple des gros massacres comme ça. Je sais qu'il fait des belles feeds et tout. Pour ça, franchement, respect, il enchaîne super bien le mec. D'ailleurs, dans la team qu'il est rentré, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est quand même une perf qu'il faut pas mettre de côté. Moi, je compte sur vous pour faire un max de bruit sur cette vidéo, les gars. Vous la faites tourner. Parlez-en, vos collègues, tu vois, au collège ou ici au taf. Voilà, s'il y en a qui aiment le snipe, moi, je vous dis, je vais essayer de vous rentrer des gros trucs au snipe dans pas longtemps. Et j'essaie vraiment d'apporter un maximum de diversité sur ma chaîne au niveau du snipe. Je vais essayer d'un peu équilibrer. Voilà, je finis pour 73 pour 1, les gars. Ratio de 73 pour Tonton. Voilà, avec 40. Enfin, on va voir la médaille, bien sûr. Et 41 battables, c'est énorme. Enfin, il y en a 71 en fait. En tout, ils en ont oublié un, c'est à la mi-temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes, les gars. Si vous les avez ratées, un max de likes pour Tonton. Tonton va chercher sa fille ce week-end, il est content. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Un bon week-end à tous. Et ciao, les gars!